enfin. C'est bon? Attends. C'est bon là? Voilà. Ok. Voilà. Des petites questions, des bonjours. Quoi de neuf? Il se passe quoi? It BTC scam, aucune idée, je connais pas. Ulcan, tu peux t'occuper d'un décent, alors je vais t'expliquer un truc. Un décent, c'est un clochard qui a pas une thune, d'accord? Un décent, c'est un mec qui passe sa vie à haïr les autres parce qu'il a rien d'autre à foutre de sa vie et que ça lui gratte les fesses toute la journée, il a rien d'autre à foutre. Et la vie de ma mère, j'ai pas envie de me mélanger avec des gens comme un décent. Un décent, c'est un clochard. C'est un mec, frère. C'est... Pourquoi tu veux que je parle avec un décent? Sincèrement, c'est qui un décent? On s'en fout d'un décent, non? Le Walton, je connais pas. Quel crypto tu conseilles? Je pense que le Néo va encore monter. Je pense qu'en ce moment, c'est pas le moment d'acheter de la crypto-monnaie. Pour moi, après, je sais pas. Je pense qu'il fallait acheter quand c'était dans le gouffre. Quand on vous disait d'acheter. Sur mon Twitter, c'est écrit, il y a les dates. Je vous avais dit d'acheter Ripple 14 centimes, Neo 18 dollars. Voilà, c'est tout. Les gens étaient en train de me maudire. Hein, Kéké, tu nous as dit d'acheter du Neo à 30 dollars. Il est descendu à 18. Oh non, t'es vraiment un enculé, le camp. Et ils ont revendu à 18 comme des merdes. Et nous, aujourd'hui, salope, on est sur nos tables en marbre, fils de pute, en Dolce & Gabbana. Oh Louis Vuitton, pauvre merde. Et toi, t'es comment? Tu l'as dans le cul, t'as tout vendu. Hein? Merde. On t'avait dit de pas vendre. Bah t'as vendu. Et bah maintenant, tu l'as dans le cul quand la bise fut venue. C'est tout, c'est la réalité.